Afrique bongo tani Afrique bongo kone bongo bongo tanyo bongo bongo kone Afrique bongo tanyo Afrique bongo kone bongo bongo tanyo Africa o mejotanya Africa o mejonkoni Africa o makvaga Tonton. Oui. Toujours au pion alors que maman t'a envoyé puiser de l'eau. Frère, accompagne-moi, je ne veux pas y aller seule. Non, ma chérie, je veux aller chez le roi assister ma part du tigre de notabilité. Ce sont des bobards. Qui t'a dit que le tigre de notabilité se vendait? J'entends partout dire que Sa Majesté vend des tigres de notabilité. Aka, ça ce sont des bobards du quartier. Je vais aller demander moi-même à la princesse si c'est vrai ce que tu me dis là. Vas-y, mais n'oublie pas que maman t'attend à la maison avec de l'eau. Ok, ok, j'ai compris. J'y vais tout de suite. Tu peux aussi essayer de jouer au pion. Non. Je m'en vais d'abord voir le roi. Elle peut avoir raison. Je joue au pion en attendant. Afrique, bongo tanyo. Afrique. Bonjour, Tom. Ah, princesse Darling, je tenais justement à te voir. Dieu a permis que tu me vois et me voilà. C'est vrai que ton père vend les titres de notabilité? Je ne sais pas, Tom. Je lui demanderai. Ok, ça me ferait plaisir de savoir si c'est vrai ou faux. Je m'en vais rapidement lui donner de l'eau à boire. Donc tu ne vas pas m'accompagner pour que je puisse mon tonneau d'eau aussi? Mais je souhaiterais le faire, mais je suis en retard prochainement. Majesté, mon fils, je souhaiterais concrétiser mon titre de notabilité. Tu sais, mon fils, je t'ai donné un titre car la cour des neuf et moi-même avons décidé de te consacrer un grand titre de notabilité à partir des actes que tu as déjà réalisés. Et pour que ce titre dure pendant longtemps, il faut passer à la chefferie, concrétiser cela devant la population, pour que après ta mort, ce titre reste de génération en génération pour tes enfants et tes arrière-petits-enfants. Papa, voici ton nom. Oh, merci ma princesse. Merci Ndali. J'avais vraiment soif. Que ton eau est fraîche, princesse. Papa, merci. C'est vrai que tu vois le titre de notabilité. Ça quoi? Moi, c'est mon nom. Hey, à quoi on est Moi, pour aller, je voulais aller. Qui t'a dit cela, ma fille? Papa. Tout le village en parle et mes camarades aussi. Ma princesse, je n'ai jamais vendu des titres de notabilité dans ce village et je ne le ferai jamais. Papa, quelles sont alors les modalités pour être notable? Princesse, tu sais, il y a deux conditions ici chez nous pour être notable. La première condition, c'est que tu sois le fils d'un notable digne. Notable digne veut dire quoi? Ceux avec qui on a fondé le village ensemble. À sa mort, son fils prend sa place de génération en génération.
Eh, ma fille, la deuxième condition, un homme du village, un enfant du village qui travaille dur, qui fait les dons de charité, qui construit des écoles, des points d'eau, des routes dans le village, pour le remercier. Moi, Majesté, et mes neuf, on se concerte et on choisit un titre honorifique pour lui donner soit le digne fils, travaille dans le gouvernement et engrage de grands postes. On peut aussi le remercier. Cependant, princesse Ndali, ces titres que l'on donne à ceux qui ont fait le don ne sont que des titres physiques. Pour que ça soit spirituel, il faut qu'ils viennent à la chefferie pour suivre des rituels, pour que les titres de notabilité soient de génération en génération dans leur famille. Papa, si quelqu'un vous donne beaucoup d'argent, vous ne ferez pas de lui un notable? Ma fille, s'il vient me donner de l'argent, je vais prendre son argent, manger. Le titre de notabilité, je lui donnerai rien. Celui qui a l'argent à gaspiller vient me donner. J'irai dire à tous mes camarades que papa ne vend pas de titre de notabilité. Ok, ma fille, va et dépose de l'eau dans la case de maman et informe tes camarades que papa ne vend pas les titres de notabilité. Hein? Où en étions-nous, Belon? Oui, mon enfant. Vous avez suivi tout à l'heure quand ma fille m'a posé des questions à propos du titre de notabilité. Et je pense que vous avez compris comment il faut procéder pour avoir ce titre-là. Mon enfant, il n'est plus question pour toi de te donner un titre. Passe à la chefferie. Mes neuf et moi devons s'asseoir pour te faire des rituels pour que ton titre de notabilité soit perduré dans ta famille de génération en génération. Merci, Belon. Puis-je me retirer? Mon fils, vas-y. À nous revoir, Belon. Tchafi, Nenafi, Nyam Kuma, toujours pour vous. Ndé. Bun, bunun quoi le mot bonjour, bien comme à son nom. Boussa, Ndé Yara Bun, Bak, Bafun Fun. Bah, Queen of Mvela, que faut Joubin. Bisse, Ndé Bong, Bong, Bisse. Aïe, pourquoi tu rates toujours? Donc, toujours en train de jouer. Princesse, c'est quoi d'autre à faire? J'ai demandé à papa, il a dit qu'il ne vendait pas les titres de notabilité. Ah bon? Ça veut dire que les gens mentent alors? Va informer à tes amis que mon père ne vend jamais de titres de notabilité. Ça veut dire que ton père est un vrai chef? Parce que les vrais chefs ne doivent pas vendre les titres de notabilité. Tu as de la chance. Donc, je te fais visiter la plantation de papa. Ici, là, c'est son champ d'arachide et bien là-bas, c'est son champ d'haricots. Waouh! Le roi a vraiment une très grande plantation. Il est travaillé à sa majesté. Il ne plante pas tout seul, les villageois l'aident à planter. Oh, la générosité de l'Afrique. J'aime mon Afrique. Moi aussi, j'aime l'Afrique. Hein? Pourquoi as-tu peur? C'est le guéri de papa. Viens le saluer, regarde. Il ne mange pas les jambes. Mes enfants, que faites-vous si seuls? En balade dans le palais royal. Guerrier, je fais balader mon ami Ton dans la plantation de papa. C'est bien ça, les enfants. Bon courage, princesse. Guerrier, je voulais savoir, peux-tu nous dire quelque chose sur les titres de notabilité? Mes enfants, les titres de notabilité sont des termes ou des noms, ou même des chambres royales qui différencient la classe des personnes qui existent dans une chefferie.
Alors, il existe les ça. Nous avons les mbu. Après les mbu, nous avons les zoup. Après les zoup, nous avons les shobun ou menkam, qui sont les premiers notables. À la tête de tout, leur majesté. M'avez-vous entendu? Oui, nous vous avons entendu, grand guerrier. Oh, oh, mes enfants, baladez-vous bien, sentez-vous à l'aise, mais surtout, ne faites pas de débordement. Ok? Oui, grand guerrier. Vous pouvez continuer. Ces mignons enfants qui veulent savoir sur la culture de chez nous. Afrique, bongo tanyo, Afrique, bongo kune, bongo njipe, bongo tanyo, bongo njipe, bongo kune, Afrique. Bongo tanyo, Afrique, bongo kune, bongo njipe, bongo tanyo.